Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu routine. Routine du matin, routine en vacances, où on prend son temps, on se lève tranquillement. Premier geste du matin, c'est de me passer un petit coup d'eau sur le visage. Ça me rafraîchit et c'est ce que je préfère faire le matin. Ensuite, je vais m'occuper de mes petits crapouillots, je leur fais des câlins, je leur prépare le petit déjeuner. Et après avoir fait tout ça, je m'occupe de mon propre petit déjeuner. En hiver, j'ai tendance à me prendre des thés chauds, des chocolats chauds avec de la brioche ou du pain et du beurre. Mais en été, j'aime bien me boire soit du lait d'amande bio, soit me faire une petite mixture comme celle-ci avec un yaourt nature, une banane coupée et tout simplement des petites amandes pour me rassasier. Tout ça, ça me tient bien le corps jusqu'à midi. Vous voyez, c'est plutôt consistant mais très facile à faire. Ensuite, je passe à la douche. Je me lave souvent les cheveux parce que la piscine, ça n'aide pas. Donc, je fais ma petite routine quotidienne. J'utilise cette petite brosse assez magique. J'essaie de vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est une brosse qui démêle sans faire mal. Ma copine Jennifer avait fait un article sur cette brosse, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite, je passe à mon petit soin R&B de chez Lush que j'adore utiliser. C'est un soin qui va redéfinir les boucles et qui va vous faire une belle texture de cheveux. Et quand on a les cheveux bouclés, c'est vraiment très très bien. Je passe à ma routine du visage avec cette routine que j'avais eue par la marque Clarins, qui est le sérum et la crème hydratante. Je vous mets toujours les liens en barre d'infos, donc c'est la gamme Hydra Essentielle que j'aime tout particulièrement. D'ailleurs, elle arrive à sa fin, donc je suis assez triste. Ensuite, je passe au teint. Je fais un teint assez léger avec ce petit fluide de chez Bioderma qui teinte légèrement la peau mais qui est surtout protecteur avec un indice 50 que j'ai reçu aussi par la marque. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il se finira jamais, mais je l'aime beaucoup. Je mets un petit peu d'anti-cerne pour couvrir mes petites cernes et mes petites imperfections. C'est celui de chez Sephora que j'avais reçu par la marque et que j'aime beaucoup aussi encore une fois. Vraiment, ce sont des produits de ma routine quotidienne. J'aime beaucoup utiliser ce blush en été qui est un blush, une teinte un peu pêche de chez Sephora encore une fois. Et voilà, j'aime beaucoup l'utiliser, il est doux, il est frais. Et il se met, alors attention, très pigmenté, donc il faut y aller avec parcimonie. En ce moment, j'utilise ce petit highlighter que j'ai reçu dans une glam bag. Je vous mettrai le lien de ma vidéo si ça vous intéresse, il est plutôt pas mal. Sur mes sourcils, j'utilise cette gamme de sourcils que j'adore, j'avais reçu aussi par la main, que je ne quitte pas, je l'emmène partout en vacances, c'est hyper pratique d'ailleurs à emmener. Hein. Et voilà, je l'utilise vraiment en fine touche pour redéfinir un petit peu mes cils. Ensuite j'utilise ce petit eye bronzer de chez Too Faced, qui est le bronzer chocolate que j'aime beaucoup. Un trait, le mythique trait noir col dans les yeux, et je passe au mascara avec le Paradise Estatique, le primer, et j'utilise le mascara qui va avec pour faire un duo du tonnerre. J'adore utiliser sur mes lèvres ce petit éclat minute de chez Clarins que j'ai reçu par la marque. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, ça se voit pas encore sur cette vidéo, mais je l'ai fait, je l'ai terminé pendant mes vacances. Je l'adore chaque matin, ça donne un petit teint, un petit peu de peps au teint, et puis ça hydrate très très bien les lèvres. Et voilà le résultat. Donc un petit teint naturel, prêt pour aller me balader dans les rues du sud de la France. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.